Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Manifestation aujourd'hui devant le commissariat central de Nouméa. Les proches de policiers calédoniens basés en métropole souhaitent que leur demande de retour au pays soit prise en compte. Précision dans ce journal. La population de Roussette est en déclin, du moins dans les provinces nord et sud. À Guapin, le nid est surveillé de près. Les gardes de nature profitent de la reproduction de l'espèce pour un comptage minutieux. Et pour en parler ce soir, Malik Wedine, chargé de projet gestion concertée des Roussettes en province nord. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que vraiment la population de Roussette est en déclin? Oui, en effet, et c'est l'objet de notre travail. On en parlera donc dans l'entretien de ce journal. Ensuite, le café fait partie de notre histoire et surtout de celle de Marcel Manoté à Vaud. Son grand-père Célestin, Joseph Célestin Manoté, produisait 3 tonnes de café par an. Un café qui a été primé plusieurs fois. Une histoire qu'il veut bien partager avec nous dans le feuilleton consacré au café. Et enfin, Tia, c'est l'héroïne du nouveau jeu vidéo en langue Jehu, disponible dès l'année prochaine, réalisé par le studio Awaseb. Ce jeu s'inspire des cadres calédoniens avec des dialogues en langue, un jeu qui suscite l'intérêt chez les jeunes. Pour ouvrir cette édition, l'émotion, l'inquiétude et maintenant la révolte. Une quarantaine de personnes manifestaient ce matin devant le commissariat central de Nouméa. Ses proches de policiers calédoniens basés en métropole souhaitent que leur demande de retour au pays soit davantage prise en compte. Marie-Gwenaëlle Goï a recueilli leurs revendications. On a recensé à peu près déjà une quarantaine de policiers et qui veulent absolument revenir au pays, mais en sachant qu'il y a au moins 150 policiers calédoniens en métropole. On nous donne des arguments comme quoi il n'y avait pas une volonté de faire venir des Calédoniens. Il y a le système des points. Donc il faut être marié ou avoir des enfants. Donc tout ça rapporte plusieurs points, donc qui favorise le policier métropolitain. On n'a rien contre les collègues métropolitains. On veut le retour de nos enfants au pays. Et selon le collectif, sur les 22 dernières affectations de policiers au sein de la police nationale à Nouméa, aucun Calédonien n'a bénéficié d'une mutation. Sollicité le Haut Commissariat n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. C'est le jeu de la chaise musicale au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une semaine après avoir intégré le groupe UCFLNKS au congrès, la veille des élections, des instances de l'institution et dans le cadre d'un accord de stabilité, l'éveil océanien se retire du groupe. La motivation de ce choix, la remise en cause de cet accord par le PADICA. On écoute Weimar Falaheo, membre de l'éveil océanien. La conférence de presse qui a été tenue hier par le PADICA est venue fragiliser la stabilité institutionnelle que nous avons portée. Et pour nous, un accord qui est signé, ce n'est pas un menu à la carte. Même si la conférence de presse du PADICA, elle fragilise la stabilité que nous avons portée, nous n'avons pas d'autre intention. Il faut continuer à travailler. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube des discussions sur l'avenir institutionnel et nous devons trouver des solutions ensemble. Concernant tout ce qui arrivera, notamment les réformes à venir, nous continuerons toujours sur notre lancée. Hein. Nous votons les textes par rapport à ce qu'ils apportent de bien pour les populations et pour le pays, mais pas parce qu'ils émanent des indépendantistes ou des loyalistes. Hein. C'est pas comme ça que nous travaillons à l'éveil océanien. Voilà des propos recueillis par téléphone par Audrey et Poédi. Même en France, nos politiques font parler d'eux. Nommé tout juste conseiller spécial auprès de Sonia Backès, la secrétaire d'État à la citoyenneté, Brieux-Frogier démissionne. Les explications d'Antoine Reiss dans la revue de presse. Le binôme Brieux-Frogier et Sonia Backès au ministère de la citoyenneté a provoqué de vives réactions dans la presse nationale. Selon un arrêté publié ce mercredi 7 septembre dans le journal officiel, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté au gouvernement Macron a nommé son conseiller spécial, Brieux-Frogier.
L'élu loyaliste calédonien a annoncé dans la foulée démissionner de sa fonction pour ne pas, je cite, « parasiter l'action de Sonia Backès ». En cause, son soutien au polémiste et ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour. Le fils de Pierre Frogier, ancien sénateur LR et signataire de l'accord de Nouméa, a été désigné en décembre 2021 représentant en Nouvelle-Calédonie du parti Reconquête. Brieux Frogier avait alors expliqué qu'il ne se reconnaissait pas du tout dans la politique menée par Emmanuel Macron en métropole et que le candidat d'extrême droite était le seul à tracer des perspectives d'avenir pour la Calédonie. Un soutien qui durera plusieurs semaines, puis il se ravisera et ira dans le camp macroniste, sans toutefois omettre de donner son parrainage au parti Reconquête. Un zémouriste au même ancien au sein de la majorité présidentielle a provoqué tollé et indignation dans le camp de l'opposition et du gouvernement Macron. Comme le souligne le numéro 1 du Parti Socialiste Olivier Faure dans ce tweet, « Quand les barrières tombent, affolant de voir à quel point le parti présidentiel qui a fait sa fortune sur le front républicain multiplie les mains tendues. » À l'extrême droite depuis le mois de juin. Quelle conception de la citoyenneté défend-il avec cette nomination? Quant à l'entourage de Sonia Backès, ils disent « assumer la nomination de cet élu calédonien » en expliquant que le cabinet est composé de membres issus de sensibilités différentes. Toutefois, on peut lire dans les colonnes du Figaro qu'il n'aurait jamais dû être nommé et son cas est réglé, a-t-on fait savoir au sommet de l'exécutif. Enfin, Brieux Frogier insiste sur le caractère, je cite, « fugace » de son soutien à Éric Zemmour. Son passage au gouvernement l'aura été encore davantage, pouvait-on lire dans le HuffPost, célèbre média web, ce matin. Dans un tout autre registre, près de 400 000 roussettes ont été répertoriées depuis 2006 en province nord, mais seulement une quarantaine de niches sont suivies chaque année. C'est ce que nous allons voir dans le dossier de la rédaction. C'est en ce moment que les frugivores mettent bas, les gardes nature et les associations environnementales profitent de cette période pour réaliser donc un comptage minutieux au pied des nids. Et c'est à Guapin, à Poya, que nous les avons suivis, accompagnés de Denis, un habitier. Avant que la lumière du jour ne disparaisse, Denis Mendupoveux, gardien de l'environnement à Guapin, et les gardes nature mettent en place leur campement 2h30 avant l'émergence. Pendant ce temps, les jardinières de forêt sont au repos avant leur quête de nourriture. Qu'il y a le moindre accalmie, eh ben elle profite de l'accalmie pour pouvoir sortir. On pas attendre une grosse pluie, ils savent déjà que là c'est bon pour elle. À 18h, d'un seul élan, les frugivores de Guapin, dit Guapin, prennent d'assaut le ciel. Un spectacle extraordinaire, on ne sait où regarder. Les années d'expérience des gardes nature n'est plus à prouver, une organisation bien rodée pour le comptage. Un ciel divisé en trois, David, Philippe et Denis ont chacun un couloir dans lequel ils comptent le nombre de roussettes. Une paire de jumelles et un compteur sont leur seul outil. Par rapport à hier, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y en avait un peu plus. Ce soir, nos gardes nature ont comptabilisé 8528 individus, soit un peu plus que la veille. Les résultats de ce suivi réalisé par les différents acteurs autour du comptage de roussettes seront déposés dans une base de données au service environnement de la province Nord. Elles vont servir à l'IAC ou encore à l'IRD pour connaître davantage ce seul mammifère volant apparu il y a plus de 65 millions d'années.
D'ailleurs, la gestion de la chasse à la roussette sera au cœur d'un forum à Yingen le mois prochain. Wedine Malik, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, je le rappelle, hein, vous êtes chargé de projet, gestion concertée des roussettes en province nord. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Elise. Alors, lorsque l'on voit ce reportage, hein, nous avons l'impression que la roussette se porte bien, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? En fait, c'est une situation qu'on rencontre souvent. C'est que souvent les gens, notamment ceux qui sont proches des nids de roussettes, ils vont avoir l'impression qu'il y a toujours autant de roussettes, voire qu'il y en a plus quand il y a une floraison et que du coup, il y a plus de roussettes dans leur nid. Mais quand on regarde les chiffres sur le suivi qu'on fait depuis 2010 sur l'ensemble de la province nord, on voit que les populations de roussettes sont en déclin. Alors, quelles sont les raisons ? Donc la première raison, c'est la chasse, légale et illégale. On estime à au moins 52 000 roussettes qui sont chassées chaque année en province nord. On a aussi les chats arrêts qui ont un prélèvement du même ordre de grandeur, probablement aux alentours de 43 000 roussettes. Et aussi de la dégradation de leur environnement, des écosystèmes forestiers, qui va entraîner moins de nourriture et moins d'habitat pour pouvoir se reposer. Et on a aussi la problématique qui est croissante des changements climatiques. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que les nids comme Guapin, c'est vraiment des sites exceptionnels. C'est probablement le plus gros nid de roussettes de Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour améliorer la situation ? Je sais qu'il y a des membres du groupe de concertation qui vont se retrouver ce samedi à Koné. L'objectif, hein, c'est de proposer un plan de gestion. Alors, en attendant, quelles sont les avancées des travaux ? Donc, la province Nord met en place depuis l'année dernière un programme de gestion concertée des roussettes sur son territoire, où je suis chargé de ce projet. C'est un projet réalisé avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et qui nous a permis de réunir 23 habitants et habitantes de la province nord qui étaient investis par la meilleure gestion des roussettes, leur préservation et donc constitués de tous horizons, des chasseurs, des gens qui veulent la protéger, des coutumiers, des élus ou encore des agents provinciaux et qui ont pour mission de faire des propositions de gestion qui seront ensuite présentées durant le forum à l'ensemble de la population. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en fait, de propositions d'actions qui sont menées sur le terrain ? Donc à l'heure actuelle, les actions qui sont menées sont le contrôle par les gardes nature, les suivis également. On met aussi en place un programme de sensibilisation avec notamment ce livret qu'on distribue lors de conférences qu'on fait à l'attention du grand public. Donc la province Nord, elle a vraiment adapté sa communication et ses programmes de sensibilisation au grand public. On va les intensifier dans les années à venir pour restituer les résultats des études et alerter les gens sur le déclin des populations de roussettes. D'ailleurs, il y a des grandes dates à annoncer parce que vous organisez des forums, des rencontres. Oui, exactement. Donc, on organise des conférences. On a fait la première au mois de juillet au lycée Michel Rocard. Donc, on s'intéresse particulièrement à la jeunesse, mais aussi aux adultes. Et on a rendez-vous le 22 septembre à la médiathèque de Koumac et normalement le 8 novembre à la médiathèque de Koné pour présenter ses travaux et discuter avec les gens de la gestion des roussettes. Alors, justement, est-ce que les jeunes, la population est réceptive à ce message et aux actions qu'on doit mener sur le terrain pour protéger les roussettes ? C'est comme pour tout, pas tout le monde est forcément réceptif, mais avec les chiffres qu'on présente aux gens, ça leur paraît cohérent avec la réalité. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'engager autour de la préservation des roussettes et devenir des ambassadeurs. Et donc le forum qui aura lieu sur les roussettes à Yingen le 8 octobre au centre culturel Guamaboarat aura pour objectif d'une part de donner un socle de connaissances communes à l'ensemble des gens, donc les sensibiliser à la partie déclin et menace des roussettes, mais aussi à toute leur rôle écologique et culturel. Et ça permettra aussi aux gens, donc qu'on invite au plus grand nombre, de venir voter pour les propositions de gestion qui sont
élaborée par le groupe de concertation. Alors, une dernière question. J'ai entendu le mot ambassadeur. Comment on peut devenir ambassadeur pour protéger les roussettes? Donc, c'est ce qu'on est en train de construire. Mais par exemple, l'exemple de Denis, qui compte les roussettes depuis plus de 10 ans maintenant, est un très bon ambassadeur. Et puis aussi, vous pouvez venir nous rencontrer pour qu'on vous donne les informations nécessaires pour sensibiliser la population. Médine Malik, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Aujourd'hui, au lycée Michel Rocard, et pour la première fois en province Nord, 30 techniciens spécialisés en production animale se sont réunis. Un événement organisé par la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie avec une nouveauté, un atelier consacré à l'élevage bio. Un reportage d'Océane Zobler et Ismaël Wakasio. L'agriculture bio dans le Pacifique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La rentabilité, enfin les perspectives économiques de la filière, quelles sont les aides disponibles? Depuis 4 ans, certains éleveurs calédoniens se sont lancés dans le bio, une pratique labellisée encore méconnue mais qui suscite la curiosité. Et pour ce faire, il faut répondre à certains critères. On évite tout ce qui va être négatif pour la santé des animaux, la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs. Et par contre, toutes les pratiques font l'objet d'une traçabilité qui fait qu'après, on apporte la garantie. Elle est là, la subtilité. Il faut que les animaux soient achetés ou élevés sur un élevage qui est déjà certifié. Demain, on pourra avoir des naisseurs et des engraisseurs en bio, mais à l'heure actuelle... D'ici 5-10 ans, si on a déjà un petit pool d'éleveurs, il y aura des gens qui peuvent faire naître des bouvillons et les vendre à des engraisseurs. Aujourd'hui au pays, il existe 5 éleveurs et 2 boucheries certifiées bio, une pratique qui a pris du temps à se mettre en place, mais qui permettrait de vendre la viande 25% plus chère. Ça fait 4 ans qu'on est dessus, mais aujourd'hui on est content de voir que ça y est, la filière est en place. Donc maintenant ce qu'il nous faut, c'est des éleveurs motivés pour remplir les étals de viande bio. D'autres ateliers étaient organisés pour l'occasion, car le technicien venu de Marais a pu découvrir la pratique de l'insémination et la réalisation d'échographies. Allez, tu vois quelque chose? Ça marche pas. Avec des cavités, là on a l'embryon. Donc c'est, je vous ai dit des conneries, l'autre était de 6 mois. Et celle-là de... Et celle-là de ouais, si c'est 3 mois, c'est plutôt 2 mois et demi. Ben, j'emmagasine un maximum pour répondre aux questions de chacun, quoi. Après moi, c'est à moi de comment organiser dans ma tête puis bien pour présenter là-bas à Marie. La question qui revient souvent, voilà, on a payé tant, pourquoi ça marche pas, voilà. Là j'aurai des réponses à leurs questions. La plupart des techniciens permettent au pays d'être pratiquement autonomes concernant les pratiques techniques en agriculture et élevage et deviennent même un exemple. La Calédonie fait office un petit peu de tête de liste, on va dire, et on est souvent amené à quitter le territoire maintenant pour justement aller amener nos expertises en Polynésie, à Fidji, au Vanuatu, etc. La prochaine journée technique devrait se dérouler l'année prochaine en province sud. Passons à votre feuilleton à présent. La passion du café s'est bien transmise de génération en génération. Chez la famille Manoté, habitant à Vaud, Marcel le petit-fils, aujourd'hui âgé de 80 ans, n'oublie pas ce qui a fait son enfance. Son grand-père produisait 3 tonnes de café par an, un café qui a été primé plusieurs fois. Aujourd'hui, même si la plantation de café n'existe plus, les souvenirs sont toujours là. Un reportage d'Océane Zobler. Dans les mains, j'ai la preuve de la qualité du café calédonien à une certaine époque. Alors, une médaille d'argent et une médaille d'or en 1922. Et celle-là, c'est la troisième exposition. C'est la deuxième exposition où il a participé en 1930. Le grand-père de Marcel, Joseph Célestin, engagé dans l'armée, a été envoyé en Nouvelle-Calédonie en 1887. Après la libération, il a pu avoir une parcelle de 5 hectares à Vaud, sur laquelle il a tout de suite planté du café, principalement de l'arabica, et a pu commencer à produire quelques années après 3 tonnes de café par an. Pendant des années, ça a été Balland qui nous achetait notre café. Et après, on en a vendu à des torréfacteurs locaux. En 1961, il y a eu un méchant cyclone au mois de mars. Et
avec mon père, on a commencé à couper les arbres tombés dans la propriété. Mais le cyclone était passé au mois de mars. C'est le moment où les premiers grains de café mûrissent. Donc en 1971, quand mon père est mort, le café n'était plus payant. J'ai supprimé complètement la plantation de café pour faire de l'élevage à la place. Ici, c'est l'ancien dock à café. Le haut, c'est la partie grenier où on stockait la récolte. Et puis là, ici en bas, il y avait l'usine de traitement du café. On y accédait par cette fenêtre-là, avec une échelle. Donc on stockait la récolte là-haut, et au mois d'octobre, quand la récolte était finie, on redescendait toute la production petit à petit, puis on l'a repassée au soleil pour qu'elle soit bien sèche pour pouvoir la traiter. Ici, il y avait l'usine de traitement de café, le moteur et la départ-chemineuse, ils étaient là. Et les sacs étaient pesés là-bas sur la bascule et stockés au fond quand il était traité, trié, il était stocké au fond là-bas. Malgré que ce soit très dur, oui, j'aimais faire ça. C'est comme beaucoup de métiers de la terre, c'est une passion. Malgré l'arrêt de la production de café, Marcel garde encore quelques pieds pour sa consommation personnelle, mais aussi pour garder le souvenir. Quand ils sont couverts de fleurs, blancs de fleurs, ça rappelle l'odeur qu'il y avait à l'époque quand toute la propriété était couverte de fleurs. Au moment de la récolte, quand on revenait sur la route, au moment de la récolte, cette odeur de café mûr, ça donnait une odeur au village, reconnaissable au village. Alors qu'est-ce que ça représente le café pour vous ? Ben maintenant ça ne représente plus rien, mais ça a marqué ma vie. Voilà, et dans le prochain volet et dernier reportage du feuilleton, nous découvrirons donc une recette à base de café. Pour refermer cette édition, direction Lifou, Tia, c'est l'héroïne du nouveau jeu vidéo en langue Jehu, disponible dès l'année prochaine, réalisé par le studio Awaseb. Ce jeu est inspiré des cadres calédoniens avec des dialogues en langue Jehu. Ce premier jeu vidéo en langue Kanak est le fruit de 4 années de travail de 5 Calédoniens. Plusieurs jeunes se sont rendus au Faré pour découvrir ce jeu. Un reportage d'Henri Naïlo. Et bien en fait c'est pas mal d'enfants de Lifou qui sont en train de faire une énorme fresque en faisant de la peinture, du dessin, du collage, inspiré de Chia grâce à tous les visuels qu'on a mis autour de la pièce. Si bien sûr ils ont envie de faire autre chose juste par rapport à l'imagination, ils peuvent tout à fait. Une fois qu'ils auront fait cette fresque là, on va dans quelques jours l'afficher dans une salle à Nouméa où justement on va faire une autre coutume avec d'autres personnes. Partager cette belle aventure et créer du lien à travers un atelier de graphisme, c'est l'objectif de cette rencontre entre les créateurs du nouveau jeu vidéo avec les gens de Jehu qui leur ont tant inspiré dans l'élaboration de ce projet. Hier, plus de 80 jeunes ont participé à cet atelier géant. Dès que j'ai entendu parler de ce jeu, je me suis dit, wow, c'est incroyable, ils ont réussi à s'inspirer de notre île à nous. Après, je me suis dit, bon ben, on n'a qu'à y aller. Après, dès que j'ai vu le jeu, ça m'a tout de suite donné envie de vouloir y jouer. J'aimerais bien jouer à ce jeu. Découvrir ? Oui, découvrir ce jeu qui parle de notre pays. Chia, c'est un open world d'aventure narratif. C'est-à-dire que c'est un jeu à monde ouvert où on a tout un archipel d'îles qu'on peut librement explorer, découvrir des choses, trouver des trésors, des endroits cachés et tout ça. Mais c'est aussi narratif, il y a une histoire. Chia, au début, elle vit sur une petite île isolée. Et rapidement, il y a quelqu'un qui va arriver et chambouler un petit peu son quotidien en kidnappant son père. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe, mais elle doit partir à l'aventure pour le chercher. Et alors là, elle est embarquée dans une grande aventure aux quatre coins de l'archipel où elle va se balader en bateau, rencontrer des gens qui vont l'aider ou lui... sur son chemin un petit peu compliqué pour retrouver son père. Ce jeu vidéo en Jehu et en français sera en téléchargement sur internet et disponible en février sur PlayStation 4 et 5 et plus tard sur d'autres plateformes.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Nos programmes continuent sur votre chaîne.